Thank you.
rappelle que ce coquin d'Amblard ne m'a pas renversé ce qui devait me revenir. Oh, oh, oh. Et à vous être mon frère, je ne manquerai pas de te rappeler lors de notre prochaine rencontre. Oh, je ne veux pas fâcher avec toi, mais tu ferais bien de prendre exemple sur moi. Il est dans mes habitudes de tenir pour exact le serment de ceux qui prétendent que je leur dois quelque chose. C'est ce que coûte quelquefois la tranquillité. Oh. Ah. Un vieux château porte-basse. Une bosse, une. Mais revenons où à nos écrits. Où est de deux? Deux. Ah, reconnaître exactement les comptes de mes tenues m'apporte un bien grand plaisir. Rien ne me plaît autant de plus ça. Le nombre de nuits de vin dans mes celliers, mais aussi, en effet, le nombre de sautiers de froment qui remplissent mes arches, les besoins en fromage pour la mesnille, mais aussi pour l'accompagnement du pain des travailleurs, tout est inscrit. Dès lors, l'homme d'arbre ne manipule l'été. En ces lieux afin de faire juste et bonne répartition des travaux relevant des corvées que vous savez devoir à notre seigneur Guillaume. Où es-tu, Jean Rosenard? Notre brave boucher, sans qui nous ferions maigres tous les jours. Tu seras responsable des charrois de bois pour les cuisines du château. Choisis deux gars solides parmi les corvéades. Eh bien oui,
Oui. Bien. L'abandonne. Tu veilleras à ce que les trous qui se trouvent sur le chemin devant la grande porte soient bouchés. Vous n'êtes pas sans ignorer, mes amis, que les jours qui viennent auront lieu au château les épousailles de Damoiselle Marguerite. Et que pour l'occasion... Ça, pour sûr qu'il ne risque pas d'ignorer, hein. Il est vrai qu'il ne peut en être autrement, car ce sont là des jours de grande réjouissance. Qui vont, je n'en doute pas, coûter fort cher. Oui, mais notre maître n'est pas si spas. Quand il s'agit de tenir son rang, il sait dénouer les aiguillettes de sa bourse et laisser échapper de belles monnaies d'or pour la gloire de la seigneurie. Ça bourse, ça, je n'en doute pas, perdu quelques rondeurs, mais celle de ses sujets aussi. Oh, que veux-tu dire, coquine? Que pour ne pas trop saigner son escarcelle, il a fait pleurer celle de ses gens. Ça n'est-il pas vrai, mes amis? Oui. Ne trouvez-vous pas que depuis quelque temps, votre aumônière vous semble bien légère? Oui. Et que c'est un mariage pourrait sonner le glas de votre fortune? Oui. Et que si vous continuez comme ceci... Veux-tu bien te taire, Stéphane? Oui, notre seigneur a comme son bon droit lui donne pouvoir d'élever la taille aux 4-4 qui, je te rappelle, lui est dû. Elle peut être prélevée lorsque le Seigneur est fait prisonnier, lorsque le Seigneur part en Terre Sainte, lorsque le Seigneur arme chevalier son fils, lorsque le Seigneur marie sa fille, ce qui me semble-t-il est ici le cas. Sache aussi que dans sa grande bonté, et afin de ne pas trop affliger nos amis, il n'a par égard pour leur cassette prélevé que les deux tiers, les deux plus petits tiers de ce qui lui était dû. Oh, ça c'est beau ça. Alors là, messieurs, on ne fait qu'applaudir. Nous ne pouvons qu'applaudir. Messieurs, oh là, allez, bravo. Allez, bravo. Ah, ça va plus. Non, mais nous tous, nous reconnaissons que le seigneur de Buron, eh bien, un artiste, c'est-à-dire un bête dans son art. Il est vrai que notre sire écrit des vers de fort belle tournure. Pour exemple. Non, c'était pas cette art-là, mais il parlait. Pour exemple de sa littérature. Il me reste toujours quelques vers à réciter. Ah oui. Mais c'est vraiment l'objet de mon intervention, mais j'étais plutôt en train de parler. La mauvaise est désloyale. Ah oui. Mort. Antoine. Demain, je pense. De Miron, s'il vous plaît. Oh! Cardinal de Miron! Enfin, après, je parlais d'un autre art. Je parlais de l'art, de l'imposition. Qui consiste à plumer moi en tenir le plus possible de plume avec le moins possible de cri. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Je te pardonne ton insolence, car je croyais que Guillaume s'amusait de ton audace. Et pourrais-je savoir qui vous êtes? Je n'ai pas ouï dire de votre présence. Papa, je me nomme la galie. Ah oui, la souris, moi c'est beau. Ça vient de savoir. Nous sommes un seul savant. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous servir. Qui va se dérouler en ces murs. Nous sommes venus voir le maître de ces lieux pour lui proposer nos services. Et ainsi faire d'une pierre deux coups, divertir votre maître. De quelques jolies plumes arrachées à ses antivolatiles. Doudou, mes amis, approchez. N'ayez pas peur, approchez. Avec quel tour semblez-vous penser pouvoir nous espolier? Mais c'est que nous sommes maîtres dans le phare. J'ajouterais même qu'il n'y en a pas de meilleur que nous. Ignorez-vous que le duc de Berry nous a fait l'honneur de nous inviter à sa cour et de grassement nous rétribuer. Le duc de Berry. Le duc de Berry. Oui. Le duc de Berry, notre suzerain. Oui. Pardieu, cet art qui semble faire votre fortune, quel est-il? Nous sommes. Vous êtes? Nous sommes les meilleurs cavaliers du monde. Les meilleurs cavaliers du monde. Excusez-moi, mais je ne vois point vos montures. Un instant, capitaine.
Nous allons les quérir. Ne vous éloignez pas d'ici, hein. Laissez-nous simplement le temps de nous mettre en selle. Pardieu, je me demande bien qui sont vraiment ces deux-là. Faut-il qu'ils soient vraiment ce qu'ils disent, les meilleurs cavaliers du monde? Oh. Jean, je te devrais dire, mes sirotins, as-tu aperçu leur bon jeu? Enfin, je ne sens pas vous. Oh, mon bon capitaine, cela serait-il tapé sur la tête au point de ne pas me reconnaître, moi, Jean de Muroc? Bien le sais, si vous êtes mes sergents, mais c'est tout simplement que j'attendais d'autres que vous des... Oui, des saltabanques, qui se prétendent les meilleurs cavaliers du monde. Saltabanques? Le meilleur cavalier du monde, on t'aura manqué, mon pauvre ami. Il n'y a point meilleur cavalier au monde que nous, les chevaliers. Capitaine, prépare le champ-clos. Mon ami Draguiné de Lastic et moi-même entrons en lice dans un instant. Veille à ce que les annelles, les pommes, les péous, la cartène soient pas vrais. Nous allons vous montrer, mon bon capitaine, qui sont les meilleurs cavaliers au monde. Ça t'invente. Mon compagnon et moi-même allons vous faire une démonstration des castries. Ou de comment on se doit de bien tenir en scène. Allons, mes joyeux compagnons, la plaisanterie a assez duré. Tu vas? Prenez garde des tireurs. Ils sont pour son destinataire, hein. Et qui fait bon, mais laissez-moi vous présenter. Jeff, le bourreau, la paille de la poisse en coiffe. Merci. Admirez, admirez sa fesse tenue. Son regard perçant, oui, tout dans son allure, affirme le fier cavalier. Allez, bourreau. Quand il pend ton vol, admirez l'Amazone, admirez capitaine, au-delà du travail, les gens, de la Malaisie, tout bien perché, du ras du sol, je vous applaudis pour nourrir mon palais. Bien sûr, Didier. Et le bras avec plaisir, c'est quand même de la chose.
Dieu, comment aurait-il pu en être autrement? En voyant l'adresse avec laquelle vous dominez ces idées, le doute n'est pas admis. Mais il est trop beau. Oh, ça, j'ai cru comprendre également que vous cherchiez à vous employer pendant ces quelques jours de festivité. Ah, ben, quoi, c'est qu'il faut bien sentir la pente. Non, et nourrir le manger. Oh, c'est un peu ça, ça monte, ça monte, hein. Bien, capitaine, le tir de la chicane, moi-même, en répondant à l'île. Convaincu, et nous allons pouvoir en faire profit. En s'occupant de nos destinées au castel et en nous servant d'écuyer sur cette île. Hein? Écuyer. Je veux dire, les annelles, les pommes, la quintaine. Si on capitaine, expliquez-leur, j'ai l'impression qu'ils sont quelque peu dubitatifs. Mais que dubitatifs. Alors, soyez prêts. Magie, le gourlot. Manel. Allez, le gourlot. Écuyer. Mais j'ai plus des études, moi. Venez, prenez un... La quintaine. Le gourlot. Oui, voilà. La quintaine. Mais il serait très bien, l'enfant, là. On en fait tous des trucs comme ça, là. Le gourlot est énorme. Voilà. Ils ont des chevaux. Des chevaux. Des vrais. Mais dis quelque chose. C'est que le choix de serment me semble judicieux. Votre main ferme sur les rênes. Votre science équestre. Mais il a peur des chevaux. Il a peur des chevaux. Oh, mon bichon. Il a peur des chevaux. Il a peur des chevaux. Tiens donc, il a peur des chevaux. Capitaine, va lui parler au Seigneur. Dieu lui fera entendre raison. Ce n'est pas une bonne idée. Dieu reste quelquefois muet. Mais sire, il faut que vous plaît absolument. Hein? Chambellor du duc de Berry. Seigneur de Faille en Nivernais. Seigneur de Moissac. Compagnon d'armes de Bertrand de la Tour. Comme son père il la donne d'or à la façon des d'Azur, sa devise, mural en avant et sans rompre le redor. Chevalier Jehan de Mural. De la Cite, voilà. Chambellan de Louis de Bourbon, comte de Montpensier. Seigneur de la Cite, Seigneur de Valais, Seigneur de Montsuc et autres lieux. Vive la donne de gueule à la face d'argent, chevalier bachelier, Draguinet de la Cite. La vie à mon Dieu, mon épée pour mon ciel et mon cœur pour vous. Capitaine, que pensez-vous de notre nouvelle recrue? Elle est bon dire. Le bourgeois et moi-même sommes de bien trop basses conditions pour vous servir d'écuyer. Les gars, il dit vrai, mais petitesse, ne mettez pas au service de votre grandeur. Le coquin perdrait-il toute sa verve? Les deux rossards, vous avez osé vous moquer des chevaliers dans le château de mon père. Et pour cela, il devra nous faire donner du bâton. Oh non, mais sire, pas du bâton. Voudriez-vous gâcher une aussi jolie courbe? Mais ne vous pas ce hurlement, nous pourrons les temps de la future réfugiée. Expliquez, voilà. Vos réparations des torts que vous m'avez causées, eh bien, vous nous servirez d'écuyer sur cette même ligne. Est-ce bien raisonnable? Et vous, c'est que vous m'avez diverti. Eh bien, je m'engage à parler à mon père, afin qu'il vous engage à son tour pendant ces quelques jours d'épousailles. Oh, merci, monsieur. Voilà une sage décision. C'est très aimable à vous, mais... En piste, mes amis, nous n'avons que trop tardé. Un peu d'ordre, conséquence à ces batailles. Pour la partie. Ma manière. Eh bien, messire, pour la première de ces épreuves, afin de nous montrer votre dextérité et votre précision, il vous faudra embrocher les annelles posées sur les deux potents. Que la garie ne manquera pas de replacer. Une fois les deux annelles embrochées, une troisième vous sera lancée par elle-même. Vous devrez ensuite planter cette même javeline dans la cible positionnée à ma dextre. Chevalier, lancez vos destriers, ouvrez l'œil et ne tremblez pas. Merci que vous l'aurez. La cour, la cour, allez, suivez aux annelles. Oh!
Tour de Murol. La galerie, dépêche-toi. La galerie, qu'est-ce que vous prête? Eh bien, tous les hurrahs du bon peuple, je me lance donc. Murol, avantage à Murol. Oui, merci. Nous sommes à domicile et c'est une joute courtoise. Bravo, messire. Après les sacs, la taille, cette fois-ci c'est l'épée en main que vous devrez trancher les pommes posées sur les potences. Vous en conviendrez un mariage. Oh, classique. Vous n'allez quand même pas commencer à réveiller. Pour le plaisir de notre bon peuple. Bien volontiers. Allez. À votre été. Et que vous allez être plus sûr. Bravo, quel esquive. Et bon, le père en fils. On aurait du radin. Bien, pour cette seconde femme, je tenterai une coupe au Robert. Et ce, pour un triple avantage. Eh bien, Swan. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et cette coupe me vaut un quadruple avantage puisque la pomme était lancée, ce qui fait de moi le vainqueur de ce jeu incontestablement. Merci. Voulez-vous vraiment que l'on parle de votre coupe? Je vous en prie, enfin, dites quelque chose, capitaine, tout de même. Bien, puisque c'est à la mode à Murol, passons au jeu suivant. Très bien, pour la troisième de ces épreuves, vous vous lancez au grand galop de vos montures. Vous devrez renverser les béours que la garie positionnera le long de la ligne. Ensuite, il vous faudra ramasser les couleurs. Voici que le bourreau placera soigneusement au sol. Et pour finir cette épreuve, il faudra percuter la quintaine en prenant garde à ce que le retour de boulet ne vous caresse l'arrière-train. À propos, capitaine, en parlant de boulet, et le gourlot, vous servez à la quintaine également. Le bon peuple a compris. Vous entendez-vous? Est-ce prêt? Hé, capitaine. Allez, aux écus. Yeah.
pas pour finir, messire. Pour contenter notre bon peuple, vous feriez-vous le plaisir de briser quelques langues? Mais écoutez, capitaine, Jean Malin vous le proposez. Bien. Je me répète peut-être, mais nous sommes pour bien un mariage, j'ai mon choix d'apparat. Je ne peux pas ajouter comme ça. Demandons au peuple. Yeah, yeah, yeah. Ne resquis pas! Pour régner! Bon Dieu, nous l'aurions voulu! Ah, voilà! Eh bien, regarde! Qu'est-ce que vous faites encore? Bêtir, c'est important! Et c'est fait! Oh mon Dieu! Bien entendu, tout le peuple est convié aux épousailles.